Te v'là enfin, marmotte, t'as vu l'heure? Bonjour, pas, j'en sais rien, je suis claqué là. Il est 9h-10, t'as pas l'impression d'être en retard? Déjà, putain, t'es pas encore au champ là? Ah non, putain, hier, il y a une pièce qui a pété là-dedans, je sais pas si c'est le convoyeur ou le rouleau. Super. T'as pu commencer la moisson? Tu parles à peine. Ah, il y a quand même un échantillon dans le T7 là, tire à la cope, ok? Et Tom, il est où? Je pense qu'il doit être au vache, t'es même pas foutu de t'en occuper. Ah, c'est bon, ah, ça va, détends-toi, je vais à la cope. Actualité agricole. Les agriculteurs regrettent le manque d'eau dans leur terrain, ce qui ne permet pas aux céréales de bien se développer. Putain, il y a du monde. « 11,7% de taux d'humidité. » Ah, bonjour monsieur Bouvier, comment se passent ces affaires? Laissez-moi prendre votre échantillon. Oh, je vais pas te mentir, ça va pas trop bien. Mon père il est très stressé en ce moment et il est plus tout jeune non plus. Il a des problèmes de santé et en plus la moise batte là en ce moment il est en train de se faire réparer. J'ai entendu à la radio que même ici l'humidité elle est très basse cette année. Je vais te dire ça pour l'humidité, tu passeras le bonjour à ta famille, ok? 10,9% d'humidité, c'est une catastrophe. Ah, ça va faire plaisir à Franck ça. Bonne semaine. Je repasserai à déposer le grain si on a une ou deux bennes. Bon courage pour la moisson, bonjour à toute la famille mon petit. Ça marche, à plus. Considérable comme nous l'explique cet agriculteur de la Somme. J'ai commencé les moissons il y a moins d'une semaine et j'ai jamais vu ça. Les champs sont très secs après le temps très chaud que nous avons eu. Ma récolte est mauvaise et j'espère que ça va pas jouer sur nos recettes. Salut Tom, ça va? Ça va et toi? Oh, sans plus, j'ai le taux d'humidité de l'échantillon. On a 10,9%, ça craint. Il y a un bug dans sa machine, non? Mais effectivement, ça craint un peu quand même. Allez, va à la Lithoral, je te l'attelle. Ok, merci. Normal que le pneu de la Lithoral est dégonflé? Tu te fous de ma gueule là ou quoi? J'ai l'air de rigoler. Bon, écoute, la vieille Mopule, elle est utilisable? Ouais. Attache-la à mon T7 et toi là, prends la caisse et tu prends un pneu au concession là où je sais pas. Et moi je vais au champ et toi tu te démerdes. A plus. Salut papa. Salut Ruben. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bouvier. Alors l'humidité? Ma Lithoral, un pneu qui a crevé. J'ai regardé, puis je pense qu'elle a été percée sûrement avec un gros clou, quelque chose du genre. Ouais, ça va pas te plaire, hein. L'humidité elle est à 10,9%, c'est vraiment bas, et le pire c'est on n'est pas les seuls. Aïe, vous permettez que je prenne le pneu? Aïe putain, là on est mal barré. Hein. Oui bien sûr, venez jusqu'à ma voiture s'il vous plaît. Bien sûr. Oh, il fait vraiment sec, hein. Plus de 4 mois qu'il n'a pas plu, avec le printemps qu'on a eu là, ça nous a pas aidé. Hein. T'as vu les températures de ce matin là? Non. Bon, on est à 27 degrés là, il est 11h. Putain, il fait chaud là. C'est chaud ça, comment c'est possible? Non, je ne sais pas, je l'ai vu comme ça sur ma benne. J'ai donc enlevé, je l'ai ramené immédiatement ici. Et pourquoi t'as la vieille Mopule? Oh, on a retrouvé la benne Lithoral avec un pneu percé. Thomas il est parti au concessionnaire avec le pneu. Ouais, il devrait pas tarder à le changer sur la benne. Il est venir soit avec le T6, soit avec le Massé. Ma famille est à la moisson et ils ont besoin de la benne. Quand est-ce que je pourrais avoir un pneu de remplacement? Je ne sais pas, je sais même pas si j'ai un pneu à vous donner. Ouais, j'ai déplacé la benne Lithoral et j'ai roulé sur mon matériel en réparant la moise batte. Oui, c'est bon, j'ai un pneu pour vous. Par contre, il me reste que du haut de gamme, ça vous ira? Oui. Oh, ok, je comprends mieux. Et la moise batte, elle est réparée? Ouais, tout est réparé. Hein. Mais c'est qu'elle est pas toute neuve. Hein. Je m'en doute, oui. Le pneu est à vous pour 145 €. Tenez. Merci à vous, bonne journée, bon courage pour la moisson. Bon allez, la traînée est pleine, hein, il faut la vider.